millions et demi de logements dans les 10 années à venir. Maintenant, déclaration des députés. Député de Etobicoke-Lakeshore, merci, Madame la Présidente. C'est toujours intéressant de pouvoir parler des choses excellentes qui se produisent à Etobicoke-Lakeshore. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître Patton et Mary Wood qui ont fait un travail excellent pour pouvoir faire en sorte que leur maison devienne un endroit meilleur. Ils ont été reconnus pour en 2023, ils ont reçu un prix pour tout le travail qu'ils ont fait. Ils ont créé une résidence pour pouvoir faciliter la vie des personnes qui vivent dans cette communauté. Donc, je les félicite. Et j'aimerais féliciter aussi l'équipe de Maple Hearts qui a véritablement travaillé pour pouvoir créer des services pour les aînés. Alors, j'aimerais remercier le ministre des aînés, des services aux aînés, pour faire en sorte que les aînés de notre province puissent rester dans leur province. Moi, j'ai véritablement passé une belle journée quand j'ai visité cette communauté et pourtant, je ne suis pas une aînée, mais j'ai véritablement apprécié le travail qu'ils font et j'ai vu les investissements qui ont été faits, qui vont être véritablement un endroit de réunion pour les membres de la communauté pour avoir des grillades, pour avoir des réunions, des repas ensemble. Et alors, je sais que cela va aider ces personnes à vivre de manière plus sociale. Et j'aimerais, puisque nous sommes au début, bientôt du mois de novembre, aussi dire quelques mots pour me souvenir des personnes qui ont combattu pour notre liberté, qu'ils ne soient jamais oubliés. Merci. Député de Thunder Bay, Atikokan. Merci et bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer le recrutement de 10 nouvelles personnes dans ma circonscription, dans les services de police. Ils ont été recrutés, ils ont fait des études très difficiles et ils deviennent maintenant non pas des policiers mais des pompiers dans notre circonscription. Et c'est un travail qui est très difficile, qui est très compliqué. Alors ce sont eux qui aident les personnes dans les moments les plus difficiles et qui donnent de la force aux personnes quand tout semble perdu. Ils montrent du courage, de la compassion, ils sont dédiés à leur mission. Ces personnes qui montrent ce courage sont des personnes qui véritablement peuvent montrer du courage et peuvent véritablement aider. Aux diplômés pour les services de pompiers de Thunder Bay, je vous donne la bienvenue dans ce service et je vous remercie de votre courage, que vous puissiez rentrer sain et sauf chaque soir chez vous. Merci. Déclaration des députés. Député de Kiewit, non. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis là pour partager de bonnes nouvelles, ou en tout cas j'aurais voulu, mais malheureusement, les nouvelles sont tristes aujourd'hui. Une personne s'est privée de la vie dans ma communauté. En ce moment, les mots ne sont pas suffisants. Ses amis, ses copains de classe souffrent et sont en deuil. Leur douleur est inimaginable. J'aimerais partager ce qui a été envoyé par sa famille. Lena était toujours une fille heureuse. Elle avait toujours un sourire pour chacun. Elle voulait toujours aider les personnes, surtout ses amis qu'elle a laissés maintenant. Nous l'appelions Princesse Elena ou alors Baby, parce que c'était notre bébé. Elle aimait tous autour d'elle.
la princesse Elena sera toujours dans nos cœurs et elle nous manquera toujours. La famille demande qu'on prie pour elle. Miigwech, pour m'avoir écouté. Et si vous avez un moment aujourd'hui, pensez à Elena, à sa famille et à ses amis. Que nos cœurs puissent les encourager dans cette situation aussi difficile. Miigwech. Member statements. Déclaration de député. I recognize the member for Kitchener, South Hespler. Député de Kitchener, South Hespler. Merci, Monsieur le Président. J'ai tenu mon premier événement communautaire cette semaine. C'était un peu en retard parce que j'ai été élue le 22 juin, mais bon, en juin 2022. Mais au moins, nous avons tenu un bel événement. C'était un événement avec les agriculteurs de ma région et je remercie mon ami Corey pour cette idée. C'était donc un événement intéressant et nous avons eu un événement autour des potirons et j'ai eu des moments de peur où j'ai craint qu'il n'y aurait que mon chien et moi-même avec 200 potirons. Mais heureusement, cela n'est pas arrivé. Nous avons eu plusieurs centaines de personnes. Mon père aussi était un grand fan et m'a aidé beaucoup. Et beaucoup de bénévoles ont travaillé avec moi. Ils ont amené les potirons. Donc, je remercie Angie, Meg et Steph, entre autres. C'était véritablement intéressant de voir le travail qui a été fait. Nous avions des amis qui ont participé. Nous avons eu toute une coalition de personnes qui ont participé à cet événement. Donc, merci à tous ceux qui ont aidé pour organiser et qui ont rendu cet événement un véritable succès. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous très tristes de voir la tragédie récente de Sault Ste. Marie et une femme et ses enfants ont été tués dans une affaire de violence entre partenaires intimes. L'année dernière, en Ontario, 52 femmes, c'est-à-dire une par semaine, ont été tuées par les mains de leurs partenaires intimes. Et cette année, nous avons déjà 46 cas de la même, du même type. Et malheureusement, ces chiffres ne diminuent pas. Au contraire, ils augmentent. À peu près 30 municipalités de la province ont déjà déclaré l'épidémie entre partenaires intimes, une véritable épidémie. Et on a reçu beaucoup de recommandations. Et l'une des recommandations était justement de déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie. Certains disent que ce n'est pas une épidémie parce que ce n'est pas une maladie infectieuse. Ces débats qui sont petits, qui sont mesquins, sont ridicules. Déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie est très important parce que ça veut dire que le gouvernement reconnaît l'urgence de ce problème et s'engage à mettre en place des ressources pour pouvoir adresser et répondre à une menace que se trouvent à faire face les femmes. Alors, je demande au gouvernement de montrer du leadership, déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie. Nous n'avons pas de temps à perdre. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Alors, Perth Wellington est un lieu où nous avons beaucoup d'énergie vibrante de croissance. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer une histoire de succès de l'une de nos entreprises. Vendredi dernier, j'ai pu participer à l'ouverture de Grace Engineering, un espace nouveau dans notre circonscription. Ça a été fondé par Montana Wilson comme exemple de
ce que les entreprises peuvent faire quand ils combinent la détermination, la dédication et la vision. Ils offrent des services de haute qualité, y compris du génie civil, de l'ingénierie géotechnique. Et aujourd'hui, l'ingénierie a un rôle vital pour pouvoir construire notre province. C'est véritablement important et nous avons donc un édifice qui est véritablement d'avant-garde et qui offre des services incroyables. Et ce qui est plus remarquable, c'est que nous avons l'une des sociétés qui offre des services de consulting, qui a une grande présence de femmes et qui a beaucoup d'ingénieurs qui sont plus jeunes que 40 ans. Ce ne sont pas uniquement des infrastructures. Cette organisation construit des carrières et des avenirs en Ontario. Il travaille avec beaucoup de professionnels, avec beaucoup de promoteurs, et cela est un témoignage pour l'intégrité que la chef de cette organisation apporte là où c'est un plaisir de voir véritablement les services dans notre communauté. Alors, je souhaite à Montana et à toute son équipe un grand succès. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. La santé mentale est importante et nous avons dans la région de Durham une personne ou des personnes qui sont en train véritablement de créer la différence pour les jeunes. Mike Dimmons est un athlète qui a été en 2018 touché par une maladie neurologique très rare qui l'a laissé avec des dégâts permanents et avec un diagnostic qui l'a laissé en fait dans une situation où il ne pouvait plus pratiquer ses sports. Imaginez le choc et le changement de la vie. Alors Max, il a eu un soutien et grâce au soutien qu'il a eu, il a pu développer son espoir et son désir de pouvoir continuer. Il a réappris son sport de manière différente avec les capacités qu'il avait. Mike Sherman est devenu la première personne avec des handicaps à pouvoir traverser tous les 5 lacs. Il a véritablement accompli des choses incroyables. Partager son rêve signifiait également partager la douleur avec les personnes qui pourraient se trouver en difficulté à cause de la santé mentale et à cause de problèmes neurologique. Il a mis en place une association, une fondation pour aider ces personnes. Et j'aimerais donc, avec tous ceux qui regardent et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, remercier Mike. Alors, merci Mike. Député de Ottawa-Sud, merci Monsieur le Président. J'aimerais dire quelques mots pour féliciter l'organisation d'Ottawa-Sud. Connue comme l'organisation des vétérans de Rideau Hall, c'est une organisation qui a organisé le travail pour beaucoup d'aînés. Ils ont amélioré la qualité des soins pour la population des aînés, pour améliorer l'innovation et la recherche. Avec 800 bénévoles, ils travaillent dur chaque jour pour pouvoir améliorer la vie des aînés qu'ils servent. À travers le Centre d'excellence pour les soins aux aînés, on a un espace pour pouvoir apprendre des expériences communes. Aujourd'hui, j'aimerais souligner les réalisations qui ont été réalisées grâce à une campagne qui a gagné 10 millions de dollars pour pouvoir apporter plus d'innovation à Ottawa et partout au Canada. Le 20 novembre, ils vont honorer ceux qui ont répondu à cet appel pour pouvoir souligner leur contribution, pour pouvoir améliorer la vie des vétérans, des anciens combattants et des aînés à Ottawa et partout au Canada. À tous, merci de vous être intéressés aux personnes qui se sont intéressées à nous par le passé. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga, Erin Mills.
Merci, Monsieur le Président. Le week-end dernier, une organisation dans ma circonscription a organisé un événement dans la ville de Mississauga pour pouvoir mener de l'avant les programmes de recherche pour le cancer. Cela va faire la différence dans notre communauté. Un exemple de choses incroyables que les jeunes de l'Ontario peuvent faire pour nous rappeler que cela continue d'être notre responsabilité de pouvoir mettre en place ces programmes pour montrer notre soutien plein et entier. Récemment, je me suis joint aux membres de Brampton West pour l'ouverture d'une nouvelle infrastructure pour pouvoir mener de l'avant les soins et la garde d'enfants. C'est une organisation pour aider nos familles et nos enfants à Mississauga. Notre gouvernement a réduit les frais de garde d'enfants pour pouvoir aider les enfants et les familles. Je remercie le ministre pour son travail et sa compréhension. J'étais honorée d'être joint dans ma circonscription le 27 octobre par le ministre des Soins de longue durée pour un nouveau projet pour les soins de longue durée pour avoir organisé de nouvelles infrastructures qui vont fournir des services pour toute la population. C'était un programme qui a pris plus de 6 ans pour être réalisé, qui maintenant enfin a été lancé. C'est un grand succès pour Mississauga et Rimmel, c'est un grand succès pour tous les Ontariens et une promesse pour l'avenir. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Sault Ste. Marie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Ma communauté de Sault Ste. Marie a vécu beaucoup de choses pendant ces dernières semaines, comme beaucoup d'entre vous savent. Il y a eu des événements récents et ça a été très difficile récemment. Le 5 septembre, un officier de police dans notre circonscription a été tué dans un accident de la route. Un autre agent a été tué le lendemain. Elle avait 26 ans. Elle est décédée avec son enfant qu'elle portait dans le ventre. Le 7 septembre, il y a eu un jeune policier de 22 ans qui a été tué. Et ensuite, ce même assassin a essayé de tuer une autre personne. Alors, nous n'avons que 7000 personnes dans notre ville. Ces 3 jours ont été pour nous les pires qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ensuite, il y a eu le 23 octobre. Angela Sweeney a été tuée à 41 ans. Et la personne qui l'a tuée est allée tuer cette dame et ses 3 enfants. Et ensuite, il s'est tué. Nous avons tenu des commémorations. Il y a eu à peu près 1000 personnes, y compris le père de Angela. Notre communauté est en deuil. Notre communauté a besoin de guérir et fait un travail excellent pour pouvoir être ensemble dans ce moment difficile. Et je souhaite vous remercier tous pour les mots gentils que vous nous avez envoyés pendant ces jours-là. Nous apprécions le fait que vous soyez avec nous, proche de nous. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Et j'aimerais citer. Je sais que je dépasse le temps qui m'est alloué, Monsieur le Président, mais c'est important. La femme d'un des agents a dit « Sault Ste. Marie est une petite ville avec un grand cœur et nous le sommes ». Le père de Angela Sweeney a parlé aussi à l'événement et a dit « Dans des moments comme celui-ci, c'est l'affection des personnes que nous avons autour de nous qui nous aide. Donc continuez de partager votre amour parce que ça ne coûte rien, c'est gratuit mais ça fait un grand bien. Merci beaucoup. »
Thank you very much.